Hello Level Dan, hello la Web TV, bonjour à vous sur YouTube, comment allez-vous? Nous sommes ensemble pour ce premier Let's Live sur le jeu Fahrenheit, dont je vous ferai la présentation eh bien, un petit peu plus tard. Tout d'abord, sachez que je change absolument de manière de vous présenter des lives, à savoir que je suis passé d'OBS à XSplit. Tout d'abord, dans le chat, je vais m'assurer que tout est OK au niveau de mon commentary. Si vous êtes content, est-ce qu'il n'y a pas de drop, etc., etc. Et pendant ce temps-là, je dis bonjour à toutes les personnes présentes, à savoir bonjour à toi, Cypranofall, Freelander, Winchester, Cam, Jeff, Thomas Bios, bonjour à toi, merci d'être là pour modérer mon chat, Zelios, bonjour à toi, Ghost Dragon, bonjour à Q, Zelios, je lui ai déjà dit bonjour, il n'y a pas de souci, bonjour à toi, CVM1, comment allez-vous? Je crois que j'ai oublié personne, normalement. Jeff, c'est bon. Freelander, c'est bon. Ouais. Ok, les amis. Très heureux de vous retrouver. Ça n'a pas été facile, hein. J'ai été pris de court, comme vous le savez, ceux qui m'ont suivi sur Twitter, pour savoir eh bien, si tout était OK au niveau. Eh bien, bonjour à toi, Kikonosuke. Bienvenue à toi sur le live. Comment vas-tu? À savoir, eh bien, tout simplement, ça fait bizarre la cam. Ouais, je sais que ça fait un peu bizarre. Il va falloir s'habituer. C'est le format qui est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Bonjour à toi, ZSnip98, bienvenue à toi sur le live. Tout est ok, Falken, c'est bon, pas de soucis, merci pour vos retours, ça fait bizarre. Alors, en gros aussi, je vous le dis directement, ça fait un plus gros plan en fait, directement sur moi. Donc, en fait, si vous voulez, la cam, je l'ai rapprochée, donc c'est normal, s'il va falloir vous habituer. Sachez aussi une chose, la cam est assez pixelisée, pourquoi? Parce que j'ai baissé un peu le flux pour ce premier live test, entre guillemets. Ce qui veut dire que... ça risque un petit peu plus de pixeliser au niveau de la cam. Est-ce que le son de mon commentary surtout est assez fort? C'est tout ce que je vous demande. Ni trop, pas assez, ni pas assez. J'attends vraiment les retours et après on passe vraiment sur Fahrenheit. Ok, bon. Blablabla. Ok, bon. Ok. Allez. Bon, est-ce que vous allez bien? Ton chat est en retard. Comment ça? Ça fait très élargi, je trouve. T'as juste la tête plate. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen? On va regarder. Parce que oui, ce qui est bien avec OBS, c'est que je peux modifier comme il faut. Alors, à savoir. Hop. Si j'élargis. D'abord comme ça. Et après, comme ça. Non, ça fait pareil. Ça fait plein écran. Ça fait plein écran, là je sais que ça fait aplati. Bah écoutez, il va falloir qu'on voit. Hein. En tout cas, je vois déjà zéro image de drop, c'est parfait. Ça, franchement, ça inaugure que du bon, les amis. Ok, maintenant que c'est passé, sachez que maintenant, il y aura un écran de pause de 5 minutes, comme vous le connaissez déjà. Et j'ai aussi fait un écran de pause de 10 minutes au cas où, vous savez, pour si j'ai besoin d'une longue pause, alors par exemple sur les Let's Live horrifiques et tout ça, si j'aurais besoin d'un peu plus, eh bien de... Eh bien... De tout simplement, vous voyez, être un, tout seul dans mon coin et hurler en silence. Bref, les amis. Normalement, cet effet de plat que vous aurez, vous ne l'aurez pas hein, lorsque vous verrez la cam. Hein. Rassurez-vous. Rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous. Faudra voir en jeu, mais là, c'est bien. D'accord. Bon, au moins, vous me rassurez. Le son est OK, c'est pas grave. Blablabla, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok les amis, donc ce que je vous propose, eh bien nous allons passer sur un nouvel onglet, à savoir celui-là. Voilà, vous n'avez pas encore le jeu, c'est normal, rassurez-vous. On va mettre ici, et bonjour à toi Axel, bienvenue sur le live. Est-ce que normalement tout est ok? Voilà, vous devriez avoir le son du jeu maintenant. J'attends vos retours. J'attends vos retours et normalement... Je pense que c'est ok. Ok, j'ai juste fait les réglages, vous voyez, au niveau de l'installation, c'est surtout dans l'audio en fait que ça m'intéresse. Dans le visuel, normalement, c'est bon. Qualité élevée, il n'y a pas de souci. J'espère que ça pixelise pas trop, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande, les amis. Bonjour à toi! Fa1 Rothschild, bienvenue à toi sur le live, comment vas-tu?
Ok les amis, donc on va faire une petite présentation de Fahrenheit. À savoir que Fahrenheit est un jeu qui est sorti à la base sur... Comment ça la cam? Comment ça la cam? La cam, comment ça? Normalement c'est ok, vous voyez mon jeu non? J'espère. Oui, normalement c'est bon, y a pas de souci. On a zéro image de drop, y a pas de souci, ça se passe très bien. Oui, ça se passe bien, ça se passe très très bien. Est-ce que la cam, ça a l'air très bien? Bon bah, franchement, je suis content du résultat, y a pas de souci. Normalement, tout est ok quoi. C'est quoi comme jeu? Je vais y venir, ne vous inquiétez pas, c'est bon, j'ai pris un peu le live en avance, c'est pour ça. Donc les amis, on est parti sur Fahrenheit. C'est un jeu sorti à la base sur... En 2004, sur PlayStation 2, Xbox et PC. Qui est sorti... Bonjour à toi Adrien et bienvenue sur le live. C'est un jeu que j'ai fait donc à la sortie, juste à la fin de vie de la Xbox. Tout est ok, le son nickel, pas de soucis, y a pas de soucis. Moi c'est parfait, c'est nickel. Je l'ai fait à la fin de vie de la première Xbox, parce que moi je l'ai fait sur Xbox, et je voulais vraiment vous présenter ce jeu après l'extraordinaire aventure que nous avons eue, et bien sur Final Fantasy XIII, rappelez-vous. Je me suis dit, ce jeu, je voulais absolument vous le faire sur PC, parce qu'il est sorti en version remasterisée, comme vous le voyez, Indigo Prophecy Remastered. Et je suis vraiment content de vous le proposer. C'est un jeu fait par Quantic Dream. Si vous ne connaissez pas Quantic Dream, c'est le studio de David Cage. Vous devez sûrement les connaître sur les jeux PlayStation 3, à savoir Beyond Two Souls, mais aussi bien sûr Heavy Rain. Et je sais que ce jeu n'est pas fait du tout, très très peu, en live ou en let's play, surtout en français. Et je voulais vraiment le faire avec vous, vraiment, vraiment, vraiment. Le jeu, je ne me rappelle plus du tout. Il y a certaines bribes, comme je l'avais annoncé, qui étaient plutôt bonnes dans mon souvenir. Après, faut savoir que 2005. Pour moi, si c'est 2005, non? Il n'est pas sorti en septembre 2005, Jeff? Je me trompe peut-être. Hein. Soit 2004, soit 2005. En tout cas, la version remasterisée est sortie en 2015. Ça, c'est sûr et certain. Je l'ai pris. Il est disponible à hauteur d'une quinzaine d'euros sur Steam. Bref, je vais pas vous passer par tous les détails avec les écrans noirs que j'ai eu pour l'installation, parce que sachez que le jeu n'est pas lu du tout par OBS. Donc, voilà, en gros. Ok les amis, donc ce que je vous propose, on va tester un petit peu, eh bien, ce qu'il y a dans le ventre XSplit, et on va commencer par... Eh bien... on va faire le tutoriel ensemble. Ça fait découvrir, c'est cool. Non mais je suis super content de vous le faire ce jeu. Je suis vraiment très 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 content. Allez, on va faire ensemble. Tu fais l'Encom après Fahrenheit. C'est quoi l'Encom? Je sais même pas ce que c'est. Bref, commençons par le tutoriel et j'espère que ça va pas trop pixeliser, sinon j'augmenterai le bitrate lors du prochain live. On est reparti pendant à peu près 1h40 encore. Hein. Septembre 2005, j'ai cru entendre 2004. J'ai dû me tromper, Jeff, hein. C'est peut-être moi. Hein. Ok, allez, on passe en... Par contre, je veux pas... voilà. Tutoriel. Et on est parti. Sachez que ce sera un jeu où je vais pas forcément beaucoup parler pour profiter du scénario, hein. On est bien d'accord. Bonjour. Bonjour à toi, Speedy. Je suis le scénario. Bienvenue sur le live, comment vas-tu? Je vais rapidement vous expliquer deux ou trois petites choses avant de commencer. Je vous présente mon ami Bob. C'est lui que vous allez contrôler pour vous entraîner. Commençons par quelque chose de simple. Déplacez-vous jusqu'à la marque au sol. Ok les amis, maintenant que vous avez un peu le son du jeu, je vais vous demander confirmation que le son du jeu est bon pour vous. Par rapport à mon commentary, au niveau des réglages, je demanderai toujours ça pour les premiers réglages lorsque je commencerai un jeu. Vous êtes au courant, c'est pour pas tout simplement que eh bien, vous n'entendiez pas ce que je vous parle, tout simplement. Allez, utilisez joystick analogique gauche pour aller à la marque sur la marque du sol. Très bien, donc ce qu'il faut savoir déjà sur le jeu, moi je trouve ça vachement bien, c'est vous voyez le personnage qui nous fait le didacticiel, eh bien c'est lui, c'est David Cage qui s'est carrément représenté dans le jeu et ça fait super plaisir. Oui, ça va très bien, merci. Allez, trêve de blabla. Maintenez la touche A enfoncée, utilisez le joystick analogique pour courir. Il n'y a rien de plus simple. C'est bon, on l'a déjà fait? On peut passer à autre chose? Parfait. Maintenant, vous savez comment vous déplacer. Vous allez aussi devoir observer votre environnement. Vous aurez la possibilité de contrôler directement les caméras. Allez-y, essayez.
Utilisez les touches L et R pour contrôler la caméra. Le son est bien. Plus fort, s'il te plaît. Bon, on va un petit peu augmenter le son, si vous voulez. Donc, on va aller dans Options. Ah non, par contre, fait à la manette. Chargement court, audio. On va mettre ici, et si c'est trop fort, vous me le direz. Normalement, je pense que vous entendez mieux. Ok, donc on apprend tout simplement à, eh bien, à exploiter un petit peu les compétences de notre personnage. Vous pouvez regarder autour de vous et voir exactement ce que vous voulez voir. Utilisez le joystick analogique droit pour faire tourner la caméra. Le nom du jeu, c'est Fahrenheit, en édition remasterisée. Et bonjour à toi, Mostarax. Mais vous ne ferez pas que regarder dans Fahrenheit. Vous allez aussi devoir interagir avec votre environnement. Allez vers la porte. Ok, les connaisseurs normalement de Beyond Two Souls et Fahrenheit devraient connaître vous cette voyez astuce. Ce symbole, en haut de l'écran, il vous indique le mouvement que vous devez exécuter pour accomplir l'action. Faites-le doucement pour bien sentir que vous contrôlez directement le bras de votre personnage. Vous essayez ? Parfait. Maintenant qu'on sait se déplacer, utiliser les caméras et interagir avec l'environnement, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Fahrenheit comprend des séquences d'action où votre personnage va risquer sa vie. Il vaudrait mieux que je vous explique, avant de vous lâcher dans le vide. Allez à l'espalier. Alors, est-ce que vous connaissiez déjà le terme espalier ? Moi, franchement, non. Donc, hop. Et là, vous allez entendre la manette, normalement. Oui, j'ai fait le didacticiel hier. Apparaît, tout en haut de l'écran. Cela signifie que votre personnage va devoir fournir un effort physique. Vous allez voir, vous allez être aussi fatigué que lui. Ok, c'est parti. Allez, allez, allez. Bon, c'est vrai qu'en plus on fait du sport avec ça, mon dieu. Hey, pas mal. Maintenant, quelque chose de plus difficile. Vous allez être confronté à toutes sortes de dangers dans Fahrenheit. Il va vous falloir du sang-froid et des réflexes si vous voulez vous en tirer. Voyons comment ça marche. Ok, là, donc là, pendant cette séquence, il va falloir que je me concentre. En gros, j'oriente les deux joysticks, hein, gauche et droite, dans le sens de direction. Bonjour à toi, sorcière de glace. Bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Ok, je vois que vous avez compris. On va maintenant pouvoir passer à autre chose. Vous aurez la possibilité de choisir ce que vous voulez dire dans les dialogues de Fahrenheit. On va essayer. Que pensez-vous de mon ami Bob? Bob, vous le trouvez sexy ou pas mal? J'attends vos réponses. Et oui, j'ai vu un petit commentaire qui m'a fait rigoler. On dirait tout simplement le personnage des Crash Test. Depuis quand ça stream? Bien, depuis 14h précisément. Bonjour à toi, Kenny. Bonjour à toi, Supre. Prem. Comment ça va? Bienvenue sur le live. J'attends. Vous le trouvez sexy ou pas mal? J'attends un petit peu vos retours, les amis. On va prendre notre temps dans ce jeu. Je vous ai dit que je vous ferais participer. Donc, j'attends. On va pas faire un sondage. Hein. Bob sexy, d'accord. Pas mal, pas mal. Ah. Ah, il y a pas mal de sexy. C'est, pour l'instant, c'est mitigé, là. Dégueulasse. Tu m'as bien joué à toi, Elfen. Tu m'as bien fait rigoler là. Ok, mais on va quand même mettre sexy parce qu'il y a une majorité de sexy. Hey Bob, t'as entendu ça? Bon, je vois que vous avez compris le fonctionnement des dialogues. Dans Fahrenheit, vous n'aurez qu'un temps limité pour choisir ce que vous voulez dire. Alors, réfléchissez vite. Maintenant, parlons de votre santé mentale. Dans Fahrenheit, vos actions modifient l'état psychologique de votre personnage. Chaque fois qu'il est modifié, ce symbole apparaîtra à l'écran. Bonjour à toi Toonsi, bienvenue sur le live. Personnage. Sinon il pourrait bien sombrer dans la dépression, la folie, ou même se suicider. Ah, j'allais oublier quelque chose. Dans Fahrenheit, vous allez contrôler tous les principaux protagonistes de l'histoire. Faites attention, chacune de vos actions va avoir des conséquences sur le déroulement du scénario. Alors un bon conseil, réfléchissez avant d'agir. Voilà, je vous ai dit tout ce que je savais. Enfin, presque tout. Il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir. Mais je vous laisse la surprise de les trouver par vous-même.
C'est maintenant à vous de jouer. Soyez prudent. Vous entrez dans un monde où tout peut arriver. Ok les amis, concentrez-vous absolument sur le générique de début, je le trouve, dans mon souvenir, il était vachement sympa. Ce qui est vachement bien, c'est que déjà, c'est une VF intégrale. Les choses sont très différentes de ce qu'elles paraissent. On croit avoir compris le monde qui nous entoure, mais on n'en voit que la façade, les apparences. Avant, j'étais comme vous. Je croyais en l'humanité, aux journaux, à la pub pour la lessive, à la politique ou aux livres d'histoire. Un jour, le monde vous saute à la figure. Et vous n'avez pas d'autre choix que de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Je m'appelle Lucas Kane. Mon histoire est celle d'un type ordinaire, auquel il arrive quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'était écrit. Peut-être que c'était mon destin, mon karma, je ne sais quoi. Une seule chose est sûre maintenant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tout a commencé ici, où d'autres auraient pu arriver. New York, la capitale de l'univers. L'échiquier choisi par le destin pour jouer la partie finale. Je n'étais qu'un pauvre pion menant sa vie de pion, jusqu'à cette nuit où ma vie sombra dans le chaos. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent dans le chat, hein. Je vois que vous êtes énormément nombreuses et nombreux, merci à vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour à toi, Sixburg Legend. Désolé, j'ai pas beaucoup parlé parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Je veux vous laisser profiter, hein, du scénario comme il faut. Et là, je me rappelle que cette séquence, on va être pris par le temps.
Et merci Speedy, c'est gentil ce que tu dis. Merci pour tout ce que vous dites dans le chat, ça fait très plaisir. Quand cette icône en haut à droite de l'écran est affichée, le jeu sauvegarde votre progression sur le disque dur. Ok, pas de soucis. Donc, on va déjà cacher le corps. Ah oui. Vite. Ah ! Vous voyez notre jauge là. Ça c'est fait. Ok. C'est vrai qu'on peut courir ça. Prends ça, nettoie. Ok, encore. On peut pas nettoyer plus là. Bon, c'est pas grave. Nous, il faut qu'on enlève un petit peu ce qu'on a sur le corps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Tu vas par là. Lave-toi les mains. Voilà. Ok, déjà on est moins suspect. D'accord. Est-ce qu'on peut faire autre chose? On va regarder. Pourquoi il faut clôturer le même nom que moi? Le couteau. Il faut que je m'en débarrasse. Un indice, ça. Ça, ça aurait été un indice qui nous aurait valu. On aurait mis les empreintes. Ok, on est anxieux. Est-ce qu'on peut faire autre chose? On va regarder. Ah! Mais mets-toi! Alors, par contre, les contrôles. Alors, tu incarnes un meurtrier, en fait. C'est que le début du jeu. On va largement voir la suite. On a largement le temps, rassurez-vous. D'accord. Je propose qu'on s'en aille. Pour pas qu'on soit retrouvé sur les lieux. Ok. On va peut-être regarder la télé. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Oui, on peut s'asseoir. On va faire comme si de rien n'était, tranquillement, vous voyez. D'accord, donc on peut juste faire ça. Bah, nettoie le sang par terre. Je dois vous avouer que... Comment vous expliquer? C'est ce que j'essaie de faire, quoi. Mais... Quoique, on va réessayer. Vous avez peut-être raison. Peut-être le faire plusieurs fois, en fait. Regardez, j'ai beau le passer plusieurs fois. Ah, si, vous aviez raison. Ah, bah merci. Ok, tu remets et on est stressé. Ok. Et bonjour à toi, Ravenlovan. Pas de spoil, hein, s'il vous plaît, oui. Dis donc, Falken, je tourne le dos parce que je combats férocement contre ma Freebox et tu en fouettes pour assumer. Pour assassiner quelqu'un. Sorcière, même si t'es trollé par ta Freebox, tu me feras toujours rigoler. On peut lui parler? Comment ça se passe? Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Y'a pas de mal. Je peux vous aider, monsieur? C'est horrible. Dans les toilettes, j'ai... Ce n'était pas moi, je suis innocent. Je crois qu'on n'aurait pas dû faire cette action. Vous devriez aller vous passer un peu d'eau sur le visage, monsieur. Je crois que ça vous fera du bien. Ah, si. Ah, on va se mettre un peu de musique, peut-être que ça va nous... La jauge psychologique est importante dans le jeu. On l'a baissé en lui parlant. Je voulais juste voir si on pouvait parler au policier qui est là-bas. Il va falloir vraiment qu'on se familiarise hein, avec les commandes. T'as un problème, mec? Tu veux ma photo? Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Allez, dégage.
Du, pour être un peu plus aimable, hein. On peut sortir par là ou pas? Non, on va faire comme si tout était ok. J'ai vraiment du mal avec les contrôles, on dirait que c'est inversé. Ouais. Sors de là. Hey, monsieur, votre note. C'est pas grave, nous on se casse. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Assez sympa quand même. Il faut que je trouve un autre moyen de rentrer chez moi. Ah, un taxi peut-être. Un autre moyen, un autre moyen, un autre moyen. Fais quelque chose. Là-bas, un taxi. Que personne ne sorte. Un crime vient d'être commis. Je vais vous demander de garder votre calme et d'attendre l'arrivée de la police pour le contrôle de vos identités. Mouais. Mouais, mouais, mouais. J'espère que le jeu vous plaît. Moi, vraiment, oui. Alors, vous allez voir qu'on va incarner différents personnages. Il t'a grillé à cause de la trace de sang que tu as laissée. Sauf que le problème, Bazooki, c'est qu'on avait beau... Mais pourquoi est-ce que les gens attendent toujours que je sois de service? On avait beau à chaque fois nettoyer, ça restait quand même. Tyler, il y a des meurtres tous les jours à New York. Ouais, surtout quand je suis de service de nuit. C'est comme si tous les malades de cette ville le faisaient exprès. Si tu veux râler, fais-le à l'intérieur, comme ça, ça m'évitera de mourir de froid en t'écoutant. C'est toi le patron, Carla. Oh, bonjour à toi, Snow, excuse-moi. Je ne t'avais pas vu dans le chat, excuse-moi. Je ne t'avais pas vu. En 5 ans dans la police, j'en avais vu des homicides. On ne s'habitue jamais à la mort. On apprend à vivre avec, c'est tout. J'ignore encore aujourd'hui si c'était la fatigue, le froid ou autre chose. Mais je me rappelle très bien le sentiment de malaise qui s'est emparé de moi en entrant dans ce restaurant. Comme si une partie de moi savait que cette fois, quelque chose était... D'ailleurs, c'est quoi comme jeu? Snow, ça s'appelle Fahrenheit, fait par David Cage, le studio Quantic Dream. C'est sorti avant, précisément, Heavy Rain et Beyond Two Souls. Donc c'est l'un des prémices, en fait, à tous les jeux que je viens de te citer. Salut, McCarthy. Bonsoir, Carla. Je t'attendais. Salut, Tyler. Ça gaze, Martin? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Homicide. J'ai trouvé un corps dans les toilettes. J'y allais avant de rentrer chez moi. Alors on va demander... Suspect. On a un suspect? Un seul client est sorti avant que je trouve le corps. En plus, il est parti sans payer. Kate a essayé de l'appeler, il s'est enfui. Le type est venu vers moi et m'a parlé. Il n'était pas très cohérent. Il a bredouillé des trucs du genre « je suis innocent » et tout ça. Table victime. On va faire victime. Qui est la victime? Un dénommé... John Winston, un habitué du restaurant. Kate t'en dira plus, elle le connaissait bien. Comment? Comment la victime a-t-elle été tuée? Par une arme blanche, à ce que j'ai pu en voir. Mais il faudra attendre l'autopsie. Mais qu'est-ce que tu faisais là? T'étais en service? Non, j'étais juste là par hasard au moment du meurtre. Je passe souvent ici après le service. Le café de Kate est le meilleur de l'East End. Table. À quelle table était assis le suspect? Il était assis à cette table là-bas. D'accord. C'est bien la serveuse là-bas? Oui, Kate Morrison. J'ai pensé que tu voudrais l'interroger. Et si je peux me permettre, vas-y doucement, Carla. Elle est encore en état de choc. Merci pour ton aide, Martin. Il est tard. Je crois que tu peux rentrer chez toi et aller te coucher. Je vais attendre que tu aies fini avec Kate si ça t'ennuie pas. Je préfère la raccompagner chez elle. Vous pouvez changer de personnage quand ce symbole apparaît en haut à droite. D'accord, appuyez sur la touche B à tout moment pour changer de personnage. Donc là, on va incarner ce qui est vachement bien, je trouve, dans ce style. On va avoir tout simplement deux visions du jeu. Côté, eh bien, tueur et côté police.
Et même dans le côté policier, on va pouvoir interroger, si je me rappelle bien, avec nos deux protagonistes et avoir deux manières différentes de, eh bien, tout simplement, enquêter. Et ça va être excellent. Une tasse de café, Carla ? C'est gentil, Martin. Peut-être plus tard. Putain, vu que tout le flic est sorti vis-à-vis de toi, Fofo, même l'inspecteur Jagger, t'avais compris, t'es dans la merde et que t'étais fautif. Ok, donc je vous propose qu'on fasse déjà... On va prendre notre temps hein, dans ce jeu. On va tout simplement, eh bien, enquêter avec d'abord Carla. Ouais, je vois que vous avez l'air plutôt des connaisseurs dans les voix françaises, ça fait plaisir. Hein. Alors, on va d'abord aller voir... Salut Gareth, salut Franck, ça va les gars ? Salut Carla. Salut Carla. Alors, vous avez trouvé quelque chose ? On a fait quelques prélèvements ici et là. On a pratiquement terminé. On vous attendait pour embarquer le corps et remballer. Ok, on va jeter un œil. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on interroge déjà la serveuse. Il faut y aller, on nous a dit en douceur. Kate ? Je suis l'inspecteur Carla Valenti. Je vais m'occuper de cette enquête. Ça ne vous ennuie pas de répondre à quelques questions ? Non. Allez-y. Vous connaissiez bien la victime ? John était un habitué. Il venait tous les lundis. Il commandait toujours la même chose et il laissait un bon pourboire. On va parler du suspect. Vous pouvez me parler de ce client qui est sorti juste avant qu'on découvre le corps ? C'était un type normal ? À vrai dire, je n'ai pas vraiment fait attention à lui. Description... Vous pouvez me dire ce que vous avez vu ? Il n'y avait pas grand monde ce soir. C'est toujours assez calme en semaine. J'ai pas eu le temps de choisir. Je discutais un peu avec Martine au bar. Je n'ai même pas vu John se lever. Moi, je dis qu'il faut insister. Kate, essayez de vous reprendre. Vous êtes notre principal témoin. J'ai absolument besoin de votre aide. Mon service était presque terminé. Je discutais avec Martine au bar. John s'est levé, il est allé aux toilettes. L'homme l'a sûrement suivi. Quand il a voulu sortir, j'ai remarqué qu'il n'avait pas payé sa note. Je me méfie. Parce que ça arrive souvent par ici, les types qui partent sans payer. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Le type s'est enfui en courant sans payer. Ce n'est que quand Martine a découvert le corps que j'ai compris. Entendu. Vous avez entendu quelque chose quand John était aux toilettes ? Des bruits de lutte, des cris ? Non, je n'ai rien remarqué. John bizarre, suspect bizarre. Vous avez remarqué quelque chose de bizarre ? Dans l'attitude du suspect avant qu'il aille aux toilettes. Non ? Ah si, oui. Je me rappelle maintenant. À un moment, je suis revenue lui demander s'il n'avait besoin de rien. Il n'a pas répondu. Il fixait le vide droit devant lui d'un air bizarre. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit qu'il était peut-être un peu dérangé. Mon Dieu. Si j'avais su... Vous pensez que vous pourriez reconnaître le suspect ? Je n'oublierai jamais ce visage. Ah. Parfait. Est-ce que vous pourriez venir au poste de police demain, pour nous aider à établir un portrait robot du tueur ? Oui. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider à le retrouver. Merci beaucoup pour votre aide, Kate. J'espère que vous allez retrouver ce salaud. Des gens comme ça, ça ne mérite pas de vivre. Je vous le promets, nous allons tout faire pour le retrouver. Rentrez chez vous et essayez de dormir un peu. Martine va vous ramener chez vous. Vous me faites rigoler là, dans le chat, entre sorcières et tout. Ah là là, merci à vous, ça fait super plaisir. Bonjour à toi Lucas, bienvenue sur le live. Elle nous a quand même été d'une grande utilité, Body. Je trouve. Ok. Avant qu'on fasse... Il était où ? On nous a dit à quelle table ? C'était celle-là, je crois. Tiens, et une fourchette, mais pas de couteau. Ah ! Une tasse de café et un soda. Bizarre. Un accro à la caféine ? Ou alors il n'était pas seul ? La note. Tiens, tiens, le café n'est pas sur l'addition.
lui, c'est pas courant comme lecture pour un assassin. Garrett, il y a un bouquin sous cette table. Tu peux vérifier les empreintes ? Ce sera fait, Carla. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent dans le chat, j'espère que vous allez bien, et ça me fait très plaisir de vous retrouver sur mon stream. Les amis, surtout ma pendule interne de Veldarn, n'est-ce pas, Freelander, n'hésitez pas à me dire lorsqu'il sera 14h55, s'il vous plaît. Ce que je propose, c'est qu'on aille voir le, bah, tout simplement la scène du crime, hein. Alors, on nous avait dit qu'il fallait retrouver le couteau, je crois. Bon, lui, à part son téléphone, on peut pas faire comme le meurtrier. Alors. Le café est pas sur l'addition, c'est suspect. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Pas de trace de lutte. On dirait que le type s'est fait avoir par surprise. Du sang sur le balai. Le meurtrier s'en est servi pour nettoyer le sang. Pourquoi faire ça au risque d'être surpris? Bonjour Lupio, bienvenue sur le live. Plusieurs blessures au niveau du thorax gauche, dans la région du cœur. Ça ressemble à des coups de couteau. Alors, je voulais voir par la petite lucarne. Parce que, il en a fait quoi du couteau? Merde, buter un mec dans les toilettes. Faut vraiment être cinglé. Ce type a pris un sacré risque. N'importe qui aurait pu rentrer et le surprendre. Ok, donc maintenant, est-ce qu'on peut avoir différentes interactions avec notre autre personnage? On va bien voir. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'on a déjà fait les actions? Ah. Oh non, mais c'est tellement glauque, sérieux, comme vous dites. Bizarre. Quoi? Ben, il a toujours sa carte de crédit et 100 dollars en cash. Le meurtrier n'en voulait pas. T'inquiète pas, Lupio, il n'y a aucun souci. Je ne fais pas attention. Est-ce que tu sais si quelqu'un a prévenu la famille? Pas que je sache. Ah, d'accord, j'ai pigé. Je m'en occupe. D'accord. Donc, on a eu toutes les informations. Ce qui m'étonne quand même, c'est le couteau, il est passé où? C'est ça qui me... Je me demande s'il est pas passé justement par la lucarne. On fait bien de tester quand même, parce que ça se trouve, il aurait pu la cacher. Hein. Il aurait pu le cacher, pardon, dans... En siphon, comme on dit. Le couteau, je suis sûr, c'est dans les toilettes. Oui, je suis sûr, mais alors où? Où est-ce qu'on pourrait trouver? Est-ce qu'on peut avoir de l'ADN si on retrouve le couteau? Là, clairement, c'est obligatoire. Bonjour à tous nouveaux, arrivants. Oui, aux tout nouveaux arrivants du chat. Ok. Est-ce qu'on peut accéder, par contre, avec elle? C'est peut-être bien un règlement de compte. Ou un psycho? Cette ville est bourrée de psychos. Il y en a partout. Tu sais, quand j'étais dans... Pourquoi il y a du sang ici? T'as trouvé quelque chose? Possible. Je ne comprends pas pourquoi il y a du sang à cet endroit. Ben, ce n'est pas celui de la victime? Pas logique. Demande à Garrett de l'analyser. On aura la réponse. J'avoue, c'est trop la voix de... des anciens Lara. Vous avez trop raison. Vous avez trop raison. C'est fou. Et là, rien du tout. Je suis sûr. Ou alors il est passé par la lucarne, le couteau. Peut-être dans les cuvettes. Parce que maintenant qu'on... Non, toujours pas. Ou alors est-ce qu'il l'aurait pas gardé sur lui? Il y a des drops. Sérieux?
Ah non, je n'ai aucun drop, les amis. Là, vous pouvez pas dire je n'ai aucun drop. Aucun drop, aucun drop, aucun drop. C'est sûr et certain. Donc, ça vient pas de moi. C'est sûr et certain. Ok, je vais remettre vos petits commentaires. J'en profite, ouais, il est 40. Ben dans l'eau, la cuvette comme ça, nettoyer le couteau. Ouais, ça pourrait être ça. Allez, on va remettre le jeu. Pas de drop, ça marche très bien. Il y en a beaucoup des voix françaises, des personnages célèbres dans ce jeu. Eh bien, ma connaissance, a priori oui, hein, parce qu'on a l'impression que vous avez reconnu la voix de Morgan Freeman, de Lara Croft, des anciens Lara Croft. J'ai pas de drop, non, zéro drop. Ouais, c'est parfait alors. Me faites pas stresser, sérieusement, me trollez pas sur les drops s'il vous plaît, parce que je pourrais mal le prendre par rapport à la semaine que j'ai vécue justement à cause de ces drops. Je vous demande ça comme un service, vraiment. Ok, alors, on va analyser. Oh. Oui, oui, il voit autre chose. Steak frites. On dirait qu'il a à peine touché à son plat. D'après Martine, le type était à cette table. Hé, hey, Gareth, Carla voudrait que tu vérifies deux ou trois trucs. T'en fais pas, vieux. Je t'ai déjà tout noté sur ce papier, comme ça, t'oublieras rien. J'étais sûr que Carla nous laisserait pas aller nous coucher comme ça. T'as l'air claqué, Tyler. Ouais, c'est mon troisième service de nuit à la suite. Vous connaissez, les mecs. Si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis un vrai zombie. Bah, vous devriez pas en avoir pour trop longtemps. Tu connais pas Carla. Elle est capable de garder tout le monde jusqu'au petit déjeuner. C'est de loin la gonzesse la plus obstinée que je connaisse. Ok, donc on a passé la commission. Ce type a démontré que pisser pouvait être dangereux pour la santé. Ah, par contre, je crois qu'on n'avait pas analysé cette table-là. On pouvait juste s'asseoir. Non, mais non, c'est à côté, je voulais aller. Je voulais à côté. Ah, mais oh, caméra. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait. Voilà. D'accord, donc on pouvait pas analyser. Ok. S'asseoir, est-ce que ça fait quelque chose ou pas? Non. Gareth quand même FF7, coïncidence. Est-ce qu'on peut mettre de la musique? Tyler, tu peux éteindre ce truc? On est sur les lieux d'un meurtre. D'accord, d'accord, je pensais que ça détendrait un peu l'atmosphère. Ok, j'éteins. Ouais, je vais le débrancher avant que Carla pète un câble. J'ai pas l'impression qu'ils s'entendent vraiment. On a deux personnalités complètement différentes. Tiens, on peut pas prendre une boisson rafraîchissante? Vous m'aviez conseillé... Ah, je peux lui parler. On sait... Faut vraiment être prêt ou pour faire les actions. Hein. Mais pourquoi l'icône s'en va? Non, je voulais l'action pour parler. Allô? Bonjour à toi Alexis, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Vous m'avez conseillé... Non mais pourquoi là ça apparaît? Ne rage pas, non, tout va bien. Vous m'aviez conseillé d'aller voir la poubelle. Je vous jure, les contrôles sont juste horribles. Il faut vraiment se refamiliariser. La poubelle. À moins que des mecs s'amusent à planquer des couteaux pleins de sang dans les chiottes, je crois que j'ai trouvé l'arme du crime. Super. Préviens Gareth qu'il vérifie les empreintes sur le manche. Ok. Eh, vous avez bien géré les amis. Parfait. Il y a aussi une personne que je voulais aller voir dehors.
Ça y est, c'est le SDF qu'on a vu. Voilà, là on peut lui parler. Carla, c'est une fille à part. Elle n'a pas toujours un caractère très facile, mais c'est le meilleur flic que je connaisse. Bonjour à toi, Lolo, et bienvenue sur le live. Tu as trouvé quelque chose, Tyler? Pour ça, faudrait que j'arrive à garder les yeux ouverts. Merci pour ton soutien, Tyler. T'es prêt à y aller, Tyler? J'ai fait le tour de ce que je voulais voir. T'es sûr? On peut encore jeter un coup d'œil si tu veux. On va rester. Ouais, tu as raison. Il vaut mieux refaire encore un tour avant de partir. Ce que je voulais passer, c'était par ici. Hé, Carla, je vais jeter un œil dehors, voir si je trouve quelque chose. Je suis sûr que là, voilà, ouais, regardez. Cette fenêtre donne sur les toilettes du restaurant. Eh oui, il fait froid. Hein. On a les voix de Will Smith et de la voix d'Angelina Jolie. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Je me demandais, est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu quelque chose d'inhabituel ce soir? Ah, fous-moi la paix. J'ai rien à dire. Je parle pas aux flics. Super, merci pour votre aide. Vous avez été très utile. N'importe quoi. Ok. Je vais aller voir avec elle aussi quand même. Je sens que le live va durer 50 minutes sur ce jeu au magnifique graphisme. Mais non, c'est pas par là qu'on voulait passer. Ah, on va voir le point de vue de Carla. Tyler est mon coéquipier depuis presque un an. Il a grandi avec les gangs dans le Bronx avant de décider de rejoindre la police. Il est souvent imprévisible, mais c'est un type bien. Non, tu ne fais rien. Ok. Je vais parler au SDF, hein. Je pense qu'il faut prendre tous les indices qui sont vraiment notre possibilité. Hein. Bonsoir, monsieur. Hello. Salut, poupée. Je peux quelque chose pour toi. Je m'appelle Carla Valenti. Et vous? C'est quoi votre nom? Mon nom? C'est quoi déjà mon nom? Personne ne m'appelle jamais. Alors, à force, j'oublie. Oh! Oh! Bogart, mais les copains m'appellent Bogart. C'est parce que je ressemble à ce type dans les films. Vous savez, vous ne devriez pas rester ici. Il fait vraiment froid. Si vous voulez, je peux demander qu'on vienne vous chercher et... Fous-moi la paix! Je suis bien ici, j'ai besoin de personne. Ok, je vais y aller. Essayez de trouver un endroit chaud. Eh, il veut vraiment rien dire, hein. Soyez prudent. Eh, je pense qu'on s'y est mal pris, on aurait directement, en deuxième question, lui poser... Est-ce que vous avez vu quelque chose? Je voulais juste voir... On était passé par là. Pas de chance de trouver des indices aussi loin du restaurant. Je vais revenir sur mes pas. Hop. Est-ce qu'on n'aurait pas un indice juste en dehors? On va voir. Ok, donc là, c'est pour repartir, on peut supposer. Il choisit ce qu'il veut, le streamer. Oui, je suis en parfaitement adéquation avec ce que tu dis, Sixborg. Legend. Freelander, je vois qu'il confirme. Et si je fais ce jeu, c'est parce que ça fait longtemps que je voulais vous le proposer. Vraiment. Ok les amis, ce que je vous propose, on va mettre le jeu. Hop là. Sur pause. Il est 14h50 et on va faire la pause maintenant, comme ça ce sera fait. Je vous dis donc à dans 5 minutes.
Y a quand même pas à dire, cette musique, elle est formidable! Et re les amis, merci d'être présents pour cette deuxième heure sur le live de Fahrenheit, le premier Let's Live que nous faisons ensemble. J'espère que tout est ok, je suis vraiment très content que tout se passe bien, que le jeu a l'air de vous plaire, et franchement ça fait plaisir. Et je me disais que franchement XSplit est vraiment un logiciel vraiment excellent, parce qu'enfin j'entends bien la même chose en temps voulu. Contrairement à OBS, en gros, pour vous expliquer, quand je lance par exemple les intros, quand je lance les écrans de pause, etc., etc., je n'entendais pas le son via OBS, alors que là, je l'ai directement le retour, donc ça me permet de beaucoup plus me repérer, quant à la fin de la pause, par exemple. Bref, les amis, je vous dis re, je dis bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées pendant la pause, et nous allons reprendre donc sur Fahrenheit, en mettant vos petits commentaires par ici. Et par ici. Bonjour à toi, Deux-Âges, bienvenue sur le live. Ok les amis, alors le temps que j'ai vos retours, est-ce que vous pensez qu'on a fait assez les inspections au niveau de l'enquête? Je pense que oui. Donc normalement, hein, je pense que c'est ok. J'attends vos retours. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mercredi matin. Ça fait super plaisir. Hein. Donc voilà, j'attends vos retours. Je me mets à côté de notre ami. Et puis on va voir. Attends, on peut peut-être faire de la musique, non? Ou est-ce qu'on pourrait pas parler à quelqu'un d'autre? Je sais pas, le temps que j'ai un petit peu... Ah, bah ils sont là. On va leur donner le couteau. Puisqu'on avait, je me rappelle. On avait le couteau. Ah, on peut pas leur parler? D'accord. Ah mais en fait, dès qu'il y en a un qui fait n'importe quoi, il reste sur son... Elle fait quoi, elle? Ah non, elle a aussi son téléphone. Mon dieu. Ok, allez. Par contre, on peut s'asseoir, enfin j'ai vu. C'est ok, j'ai juste un petit F5. Ouais, vu que l'assassin n'a pas fait grand chose ici. Ouais, je pense aussi. Donc moi, je pense qu'on est tout est ok. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir partir? On va prendre le véhicule et puis on va s'en aller. On place pour l'instant le décor, hein, on est d'accord. On place le contexte, on place le scénario. Ah, j'ai les yeux qui se ferment. Je vais demander à Carla si elle a fini. Le monsieur extérieur peut-être lui donner un remontant, enfin si c'est possible. Non, malheureusement, maintenant que j'ai fait l'action contextuelle, avec les deux, je ne peux pas faire. D'accord, non, mais c'est bon. Oui, il faut attendre les résultats des analyses, je suis d'accord. J'espère que ça pixelise pas trop au niveau du jeu. Au niveau de la cam, c'est sûr. Mais j'espère vraiment que tout est ok au niveau du jeu. Vraiment. T'es prêt à y aller, Tyler? J'ai fait le tour de ce que je voulais voir. T'es sûr? On peut encore jeter un coup d'œil si tu veux. Non, on va confirmer. Non, c'est bon, on peut rentrer. Ok, on se tire. Ouais, toi, Snow. Carla veut bien rentrer. Faut se manier d'aller à la voiture avant qu'elle change d'avis. Comment il est salaud. Mon dieu. Aïe aïe aïe, sorcière, la connexion, désolé. Non, ça va pour les deux. Bah merci Jeff, ça fait plaisir. Ok, on a fini alors. Un peu glauque, hein, je trouve. Ah,
ça n'était qu'un horrible cauchemar. Je n'ai tué personne. Je vais me préparer et aller au bureau. Je ne rentrerai pas dans le débat Snow du pain au chocolat ou chocolatine. Comme tu dis, c'est peut-être le meilleur débat, mais pas pour moi. Oh, ma tête. J'ai l'impression d'avoir une barre chauffée à blanc, enfoncée dans le crâne. Et il faut que ça cesse. Ok, alors. Voilà qui devrait soulager ma migraine. La notice précise ne pas prendre avec de l'alcool. Ça paraît un peu logique. Ok. On a remonté, on est en stressé. Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Je l'ai tellement lu et relu que j'en connais la moitié par cœur. Du Nietzsche. Mets de la musique, ça détend. Hey, vous êtes bien sûr KWS605 et nous allons tout de suite rejoindre Cindy. Bonjour Cindy! Salut Peter! Désolé pour vos oreilles. Il sait pas scarifier les bras, il sait carrément taillader les bras. Ok, on va faire l'inspection un peu notre appartement, a priori. On nous a dit, hein. Les draps sont pleins de sang. Impossible de me recoucher. De toute manière, je n'ai plus sommeil. Ouais, cache ça. Voilà. Ça cachera le sang sur les draps, au cas où quelqu'un entrerait dans la chambre. Non mais sinon, pourquoi tu tuais ce type ? Il y aurait du sang sur les draps, en fait. Ah ah, vous avez la réponse maintenant ! Mes parents, Marcus et moi, avant l'accident. J'aime bien le thème que vous entendez. Je le trouve vraiment... Il a raté son suicide. Faut pas plaisanter avec les trucs comme ça. Croyez-moi. Est-ce qu'on peut consulter ? Ok, donc on va aller dans messagerie. On n'avait pas de nouveaux messages, d'accord. Et web. Le jeu vidéo fait de nouvelles victimes. L'enquête sur le carnage du lycée de Chicago a fait des progrès significatifs ces derniers jours. En effet, ce sont plusieurs douzaines de jeux vidéo violents qui ont été découverts dans la chambre de deux adolescents meurtriers. Pour les enquêteurs, le lien ne fait aucun doute. Ces jeux vidéo sont ultra violents, certains adolescents fragiles veulent reproduire les mêmes scènes dans la réalité. Plusieurs associations ont déjà annoncé qu'elles exigeraient une loi afin que tous les jeux vidéo soient interdits au moins de 18 ans. La responsabilité du vendeur de l'arme n'a pas été engagée. Le problème n'est pas la vente d'armes, a déclaré un responsable de Syndicat National des Armes à Feu. Pour acheter une arme librement est le droit de tout citoyen américain. Le vrai problème, ce sont ces jeux vidéo qui sont le véritable danger pour notre jeunesse. C'est un complot philosophique, Snow. Tu peux me résumer ce qui s'est passé, s'il te plaît, ou quelqu'un d'autre? Bah écoute, sorcière, est-ce que tu as vu la scène de crime ou pas? Donc, avec ce personnage qu'on incarne maintenant. Encore Call of Duty. on a incarné aussi deux personnages, Carla et Tyler, qui sont donc deux policiers, qui ont tout simplement fait une enquête sur ce qu'on a vu. Hein. On va peut-être... On va regarder si on peut pas tout simplement prendre une douche ou... Avant. Parce que bon, je veux pas dire mais... Regardez les bras quoi. Ah, téléphone. Là-bas. Allô ? Lucas, je suis content de t'entendre. J'ai essayé de t'appeler pour savoir si tu voulais qu'on aille ensemble sur la tombe de papa et maman. Et pour être franc... Je me suis dit aussi que c'était une bonne occasion pour reprendre contact avec toi. Il faut qu'on se voie, Marcus. J'ai de graves problèmes. Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Qu'est-ce qui t'arrive ?
Je ne peux rien te dire au téléphone, mais c'est sérieux, Marcus. Je t'attendrai dans une demi-heure au parc. À tout de suite. Ok. Ah. Lucas, c'est Tiffany. Je pensais faire un saut chez toi demain soir en quittant l'hôpital pour récupérer des affaires. Bon, rappelle-moi. Bonjour Tartanox, le jeu c'est Fahrenheit. Hier, à 19h30. Lucas, c'est Tiffany. Je pensais faire un saut. On dirait la voix de Buffy. Vous savez, Buffy contre les vampires. Bois du lait. Il fait ce que je n'aime pas du tout, boire la bouteille. Marcus The Game One, ok, salut. Franchement, vous faites délirer avec vos commentaires. Ok, je vois que ça fait peut-être remontrer notre jauge. Hein. Voilà, c'est bon. Ah. Bonus plus 5. Ok. La voix de Buffy, oui, maintenant que tu le dis. Bah non, mais c'est ça, c'est clairement ça. Ah, mon Dieu, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Et en plus, j'ai pas activé Stream Tips. Oh. Ah, par contre, j'ai vu que ça s'est activé. Mais j'ai l'impression que la fenêtre n'était pas bonne. On va regarder ensemble, les amis. On va regarder ensemble. Donc, je suis désolé, j'avais pas activé Stream Tips. Alors, je n'ai pas vu ce que c'était. Tant que j'ai vos retours un petit peu. Oh, nous avons un don de Bébel. Salut, tac tac, boum boum, c'est moi qui, via test XSplit / streamtips free. Je pense qu'il va falloir que je recadre. Est-ce que vous avez vu normalement le tips? Je pense, normalement. Merci à toi en tout cas, monsieur, hein, monsieur que j'ai vu. Donc merci à toi, Bebel, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Ok, allez, on repart. Non, pas ici. Bonjour à toi, monsieur Ghost Reader, bienvenue sur le live. Allez, les amis, on va continuer. Alors, on en était où? Police de New York, veuillez ouvrir la porte. What? Ces images dans ma tête. Je suis en train de perdre. Fallait que j'interagisse. Mais ça allait trop vite. On dirait qu'il est visionnaire, comment ça se passe? C'est quoi cette clé là? Les clés de mon appartement. Je les prendrai quand je serai prêt à partir. Faut recadrer. Mais merci à toi. Bon allez, Freelander, merci à toi. Si la jauge de stress est totalement vide, il se passe quoi? Eh bien, je crois... Je ne suis pas en état. Que c'est fin de partie. Ok, on va sortir sur le balcon. Ah mais oui, je sais pourquoi c'est mal configuré. Parce qu'il faut que je recadre tout simplement. C'est pas qu'il faut que je recadre, c'est qu'il faut que j'augmente le... Comment ça s'appelle? La taille. Après ce qui s'est passé la nuit dernière, je ne me sens pas vraiment d'humeur à jouer de la guitare. C'est moi ou... Ouais. Il y aura moins de bruit comme ça. Est-ce qu'on peut... Voilà, regarder la télé peut-être.
J'ai dit. Le corps d'un homme a été découvert hier soir dans les toilettes d'un restaurant de Lister. La victime a été poignardée de plusieurs coups de couteau alors que plusieurs clients se trouvaient à quelques mètres dans la salle voisine. Les enquêteurs seraient déjà sur la piste d'un suspect qui se serait enfui juste avant la découverte du corps. La police s'est refusée à tout autre commentaire pour le moment, mais nous ne manquerons pas de vous tenir à... On aurait pas dû faire ça, parce que là, notre jauge va descendre, je pense. C'est que ce jeu, il pourrait peut-être nous faire peur, hein, au final. Police de New York, veuillez ouvrir la porte. Ok. Police, ils savent, ils viennent m'arrêter. Alors. Et dans la jauge, police, donc. Ouvrez. Une minute, j'arrive. Il ne faut pas qu'ils trouvent de preuves de ce qui s'est passé. Monsieur, c'est la police de New York. Je vous demande d'ouvrir cette porte immédiatement. Salle de bain, on a peut-être pris trop notre temps. Salle de bain, je suis désolé, je verrai vos commentaires plus rapidement. Un peu plus tard, hop. Allez! Si vous n'ouvrez pas cette porte tout de suite, je vais être obligé de la défoncer. Tout. Non mais tu regardes pas dans le... Voilà. Ceci est ma dernière sommation. Si vous n'ouvrez pas, je vais rentrer de force. Et maintenant... Voilà, c'est mieux. Et maintenant... Va vite chercher. Hey! Ah d'accord, mince. Va chercher des vêtements vite. Allez, on a le temps. Pas un geste. C'est ainsi que se termine mon histoire. Ah. On a mal géré. Jamais je ne découvrirai ce qui s'est réellement passé, puisqu'aux yeux du monde, je ne suis qu'un meurtrier. Ok, donc on va voir. Police de New York, veuillez ouvrir la porte. Police, ils viennent m'arrêter. Donc maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Police, ouvrez. Une minute, j'arrive. Pas qu'ils trouvent de preuves de ce qui s'est passé hier. J'ai quelques secondes pour tout cacher avant d'ouvrir. Mais non ! Hein ? D'abord se laver. Monsieur, c'est la police de New York. Je vous demande d'ouvrir cette porte immédiatement. Ok. Ouais, c'est dommage, je sais. Je sais que c'est dommage, mais là, on a caché le sang. Lui. Si vous n'ouvrez pas cette porte tout de suite, je vais être obligé de la défoncer. Allez. Voilà, on est mieux. Hop là. Hop. Salle de bain. Allez, on est tranquille. Hop. Ceci est ma dernière. Mais non, mais fais pas ça. Si vous n'ouvrez pas. Je vais rentrer de force. Allez.
on lui ouvre, sinon il va rentrer de force, comme on nous a dit. Ah oui, la clé! Juste un instant, je cherche les clés. Pas un geste! C'est ainsi que ce... Mais c'est pas possible, là! Oh là là! Ah, il va falloir aller plus vite, hein! New York, veuillez ouvrir la porte. Bon, on sait ce qu'il faut faire, là, normalement, ça devrait le faire. Alors, déjà, on a dit... se laver. Vous voyez, il y a des choses à faire, hein. On va peut-être pas y arriver dès le début, hein. Une minute, j'arrive. C'est pas facile. Il faut pas qu'il trouve de preuves de ce qui s'est passé hier. J'ai quelques secondes pour tout cacher avant d'ouvrir. Ok. Monsieur, c'est la police de New York. Là, franchement, vous voyez, on n'a pas eu le deuxième coup à cause de la clé. C'est dommage, je trouve. Try again. Ok, maintenant tu fais ça. Si vous n'ouvrez pas cette porte tout de suite, je vais être obligé de la défoncer. Non, non, mais t'inquiète, va bien. Allez. Eh, le temps défile pendant les actions, hein. Ceci est ma dernière sommation. Si vous n'ouvrez pas, je vais rentrer de force. Comment ça lag? Il y a eu des lags? Non, il n'y a pas de lag. Il n'y a pas de lag. Non, tout va bien. Ok. 15h du 7, ça va, ça passe bien. Ça passe bien, ça passe bien, ça passe bien. Alors, on va mettre vos petits commentaires. Lavabo, pansement, vêtements et clé. Lavabo, pansement, vêtements et clé. Ouais, c'est ça, Rat, je suis d'accord avec toi. C'est quoi mon casque? C'est le Logitech G430. Allez, nous repartons dans le jeu. Non, non. Eh, vas-y, 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 vas-y. Non, c'est par là. Voilà. Désolé de vous avoir fait attendre, j'étais sous la douche. Vous êtes bien, Monsieur Kane? Oui. Monsieur Kane, des voisins ont entendu des hurlements en provenance de votre appartement. Est-ce qu'il y a un problème? C'était moi. Oui, c'était moi. Je me suis bêtement blessé avec des éclats de verre et j'étais un peu affolé. Mais rien de grave, heureusement. Ça vous embête si je jette un œil dans votre appartement? On va faire non. Ok, allez-y. Qu'est-ce qui est arrivé à vos poignets? Je vous l'ai déjà dit, c'était un accident stupide avec des éclats de verre. Ben dites donc, quand vous vous coupez, vous faites pas les choses à moitié. C'est ainsi que se termine mon histoire. Un flic appelé par des voisins qui avaient entendu des cris provenant de mon appartement. Oh non! Eh, c'est quoi ça? Vous restez où vous êtes et vous levez les... Wow! Il ne fallut pas longtemps aux policiers pour faire le rapport. Eh mais c'est un truc de dingue ce jeu! C'est un truc de dingue, dingue, dingue quoi! Police de New York, veuillez ouvrir la porte! La police, ils savent, ils viennent m'arrêter. Ok, faut mettre ça. Police, ouvrez! Oh mais c'est pas facile hein! Une minute, j'arrive! Salle de bain peut-être. Qu'ils trouvent de preuves de ce qui s'est passé hier. J'ai quelques secondes pour tout cacher avant d'ouvrir. Voilà. Monsieur, c'est la police de New York. Je vous demande d'ouvrir cette porte immédiatement. Ensuite, on avait dit. Hop. Bon, ça c'est pas grave, le sang. On verra plus tard. On va regarder.
J'espère que ça vous fait rigoler. On va juste s'habiller, je pense. On va regarder. Si ah non, il voulait pas. Il voulait pas. J'avoue. Tac. Allez, on reprend. Ouais, il est bien comme jeu Six Wars, je suis d'accord. Hein. Ceci est ma dernière sommation. Si on va voir pas, je vais rentrer de force. Si on peut le recevoir comme ça, sans s'habiller. Bonjour à toi, Carcis, Arcis, bienvenue à toi sur le live, comment vas-tu? Mais what? Mais ça va trop vite! Ouais, on a peu de temps, hein. Pas d'un geste. Non mais c'est un truc de dingue les amis, c'est un truc de dingue. Ainsi que se termine mon histoire. Un flic appelé par des... prends la clé avant. Ouais, c'est sur PC, tout à fait. Mais c'est un truc de fou. Police de New York, veuillez ouvrir la Alors, porte. Alors. Prends ça. Ils savent, ils viennent m'arrêter. Mais la caméra. Police, ouvrez. Une minute, j'arrive. J'ai quelques secondes pour tout cacher avant d'ouvrir. Ok. Monsieur, c'est la police de New York. Je vous demande d'ouvrir cette porte immédiatement. Cette porte tout de suite. Ouais, mais je pense quand même, parce que en fait, si vous voulez, pour s'habiller, comment dire, je vais être obligé en fait de me nettoyer avant, nettoyer le sang qu'on a sur nous, donc je pense que voilà, normalement là on a le temps. C'est ma dernière sommation. Si vous n'ouvrez pas, je vais rentrer de force. Allez, on y croit les amis, on y croit. Maintenant la clé. Voilà. Allez. Vite. Normalement, je pense que tout est ok maintenant. Bonjour à toi Arthur, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Désolé de vous avoir fait attendre, j'étais sous la douche. Vous êtes bien, Monsieur Kane? Oui. Monsieur Kane, des voisins ont entendu des hurlements en provenance de votre appartement. Est-ce qu'il y a un problème? On va répondre de nouveau, c'était moi. Oui, c'était moi, oui. Je me suis bêtement blessé avec des éclats de verre et j'étais un peu affolé. Bonjour à toi, Asgardian, le jeu c'est Fahrenheit, bienvenue à toi sur le live. Ça vous embête si je jette un œil dans votre appartement? On se croirait dans Fort Boyard. On avait dit non. Ok, allez-y. Qu'est-ce qui est arrivé à vos poignets? Je vous l'ai déjà dit, c'était un accident stupide avec des éclats de verre. Ben dites donc, quand vous vous coupez, vous faites pas les choses à moitié, vous. Ok. Non mais il va tout inspecter. Non mais là je suis en stress complet là. Ok. T'as bien fait les choses a priori. Merci pour votre collaboration. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur. Vous savez ce que c'est. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on préfère être prudent. Je comprends. Bonne journée, monsieur Kane.
Eh bah dis donc. Mets de la musique. Alors, The Cry of the Dead. Santa Monica, No Way Out ou No Surprise. Bon, on va mettre ça. Pour les GG. Et je pense qu'on a déjà tout fait, hein. Je vois qu'il y avait le journal. Carnage dans un restaurant de l'East End. Un meurtre particulièrement horrible a été commis la nuit dernière dans les toilettes d'un restaurant. L'assassin serait un homme dans la trentaine de taille moyenne avec les cheveux bruns. La police est sur sa piste et diffusera dans les jours qui viennent un portrait robot du meurtrier. Ouais, tu m'étonnes, Snoke, les frais de scolarité pour ce que tu veux faire, ils sont hyper chers. Je vais juste passer dans la salle de bain. N'importe quoi. Ah bah écoutez, ça soulage. Hein. Ok, on a tout fait. Bah on va aller rejoindre Marcus, hein, je pense. Hein. On va se prendre un bon droit d'auteur là, avec cette musique. Lors de la rediff, hein. Allez. On a dit qu'on faisait les choses comme il fallait, donc on va quand même regarder si tout est ok. Ouais, tu vas peut-être quand même fermer. Parce que on est quand même en plein hiver. Hein. Ça c'était juste pour fermer, ça c'est bon. Bon bah je pense que tout est ok. Hein. Je pense que c'est bon les amis, je pense. Hein. Assez simple, je trouve, hein, cet appart. Ah oui, bien sûr que je fais les rediffs sorcières. Tout stream que j'ai fait depuis mon arrivée sur level 1 est forcément rediffusé. Ok, est-ce qu'on peut quitter? Ouais. Ouais, les droits d'auteur. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors, je peux choisir soit Lucas, soit Carla. Vous préférez qu'on aille voir qu'on incarne Lucas ou qu'on fasse Carla, là? Je vous laisse le choix. On va voir. Je pense de toute façon qu'on aura les deux, moyens de voir, hein, logiquement. Pour avoir tous les bribes du scénario. J'attends vos retours, les amis. Gamer, tu trouveras ma chaîne dans le lien juste en dessous de mon stream. C'est-à-dire, tu regardes un MrFalcon27, tu auras le lien de mon Twitter et le lien de ma chaîne YouTube. Je vais aller voir Lucas, d'accord. Parce que Carla, ça va être l'enquête. Hein. On va aller voir les analyses et tout ça, je pense. Carla... Oh, c'est assez partagé. Carla, s'il te plaît, Lucas. Carla Bruni. Désolé, je sors. Sondage la prochaine fois, ouais, je suis d'accord. Mais je pense qu'on va aller faire... De toute façon, je pense qu'on va faire les deux personnages. Hein. Donc on va d'abord faire Lucas. Quand on était gosses, Marcus et moi, nous étions inséparables. C'est lui qui s'est occupé de moi à la mort de nos parents. Nous étions moins proches depuis qu'il était devenu prêtre. Mais il restait le seul en qui je pouvais avoir confiance. Le seul capable de croire que je n'étais pour rien dans tout ce qui s'était passé. Opérer déjà les vêtements du frère, donc de Marcus.
J'aime trop, 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 trop le thème de ce jeu. Juste voir si on peut faire quelque chose. Oui, victoire. Mais de toute façon, je pense hein, que c'est, ça va, comment dire, nous... On va faire toutes les bribes du jeu, tous les scénarios, hein, rassurez-vous. Ok, allez, on va aller voir notre... Je suis content de te voir, tu m'as manqué. Ça faisait si longtemps. 2 ans. Alors dis-moi ce qui se passe, Lucas. J'ai tué un homme, Marcus. C'était hier soir, dans un restaurant. J'étais comme possédé, dans une sorte de transe, comme si j'étais une marionnette. Je voyais ce que je faisais, mais j'étais incapable de l'empêcher. Mon Dieu. Ce n'est pas possible, Lucas. Dis-moi que ce n'est pas toi. Tu n'as pas pu faire une chose pareille. Seul détail, poignet. On va lui montrer les poignets. Et il y a ça aussi. Tu t'es tranché les poignets? Avant ce meurtre, j'ai gravé ces symboles sur mes bras avec le couteau. Je ne sais pas ce qu'ils signifient. Détail. Ce meurtre, comment ça s'est passé exactement? En rentrant du bureau hier soir, je me suis arrêté dans ce petit restaurant pour manger. Je lisais un livre à table, je crois. Et après, c'est le trou noir. Je ne me rappelle plus rien. Jusqu'à ce que je me retrouve dans les toilettes, avec ce couteau dans la main. C'était horrible. Transdrogue, témoin. Est-ce qu'il y a eu des témoins? Est-ce que quelqu'un t'a vu? Sûrement. Exactement, Bazooki, tu as compris. La police ne connaît pas encore mon identité, mais... Je suis sûr qu'ils ne mettront pas longtemps à retrouver ma trace. C'est un prêtre, vous avez bien compris. Drogue qui sait transe. Tu dis que tu étais dans une sorte de transe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? De la magie? De la sorcellerie ou quelque chose dans ce genre? Tu as commis le péché, mon fils, sois purifié. Je t'ai juste raconté ce qui m'est arrivé, c'est tout. Je ne suis sûr que d'une chose. Ce n'est pas vraiment moi qui ai tué cet homme. Pouvoir, vision. Pendant que je faisais ces choses horribles, j'ai vu quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Il y avait quelqu'un d'autre avec toi? C'était comme une sorte de vision. J'ai vu un homme, au milieu de centaines de bougies, et il y avait cette petite fille. Quoi faire, petite fille, pouvoir, petite fille? Tu as vu une petite fille? Elle semblait seule. Vous savez, comme les petites... À chaque fois dans les films d'horreur, les brunes, les petites filles brunes à chaque fois. Qu'est-ce Marcus? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Ça me fout la trouille, tout ça, moi, à chaque fois. Écoute, Lucas, je suis un peu perdu. Cette histoire est tellement bizarre. Police malade. Non, d'abord la police. Il vaut peut-être mieux que... Tu devrais aller voir la police, leur raconter ton histoire, Lucas. Il faut que tu te rendes, avant qu'ils te trouvent. Tu penses vraiment que la police va croire une histoire pareille? Ils vont me mettre en prison pour le restant de mes jours, et je ne saurai jamais ce qui s'est réellement passé. Je suis prêtre, Lucas. Le fait que tu aies pris la vie d'un homme est quelque chose de très grave. Je t'ai dit que ce n'était pas moi, Marcus. Je vais dans le contexte de la religion. Ça n'est rien à changer. Tu ne m'écoutes toujours pas. Pourquoi j'ai fait, hein, tout simplement, ce choix? Ne me demande pas de choisir entre ma foi et mon frère. Convaincre ou rompre? Quelqu'un s'est servi de moi pour commettre un crime. Et je veux comprendre ce qui s'est passé. À n'importe quel prix. Excuse-moi, Marcus. J'aurais pas dû venir te voir. Tiens. Tu en as plus besoin que moi. Marcus, tu sais bien que je ne crois pas à tout ça. On va prendre. Merci. Faut que je l'empêche. Le policier du restaurant. Si je n'interviens pas, l'enfant va mourir. Oh là, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Le policier va me reconnaître. Il faut que je me décide, vite. On va sauver l'enfant.
Allez. Il a perdu connaissance. Vite, il faut que je remonte avant. Et vous avez encore, vous avez vu encore le corbeau. Allez. Oh, je suis en train de me mettre à quai sur la manette. Allez. Allez. Mais non, pas grave. On va pas laisser le gamin. Maintenant, on s'en va. Et vous? Quoi? Je connais, pas un geste. C'est ainsi que se termine mon histoire. Par le plus étonnant. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai. Ah, mais oui! Pour partir peut-être de l'autre côté. Allez, on est reparti pour une séquence, hein. C'est vrai que je devrais mettre. Moi, je mettais la manette comme ça, ça me faisait moins mal. Moi, comme ça, on sait un petit peu ce qu'il faut faire. Le voilà. Il a perdu connaissance. Death pour recommencer, hein, je pouvais pas savoir qui. En même temps, si j'aurais pu savoir. Avant que je m'enterre. Allez. Putain, je suis en train de me faire mal. Aux mains. Je vous assure. Tu devrais alors. Ah oui, j'avais pas vu l'icône, vous aviez raison. Allez, on va ranimer. Son cœur ne bat plus. Vite, il n'est peut-être pas trop tard. 1, 2, 3. Appuyez maintenant. Réussi. 2, 3. 1, 2, 3. D'accord. 2, 3. 1, 2, 3. Ah. Patrouille 324. Un gamin vient de tomber dans le réservoir. Envoyez une ambulance tout de suite. Quel courage. Il aurait pu y rester. 1, 2, 3. Il a plongé dans l'eau gelée pour sauver le petit. Le gamin s'en serait jamais sorti s'il n'avait pas été là. Le flic m'avait reconnu. Pourquoi n'a-t-il rien dit, je l'ignore. Il a peut-être considéré que j'étais quitte. J'avais pris une vie, j'en avais sauvé une autre. Rien n'avait changé pour moi. J'étais toujours un meurtrier recherché par la police. Mais en quittant le parc, je savais que je pourrais à nouveau me regarder dans une glace, sans détourner le regard. Ouais, j'ai pensé comme ça, voilà. Au moins, on s'est racheté auprès du policier qui nous a vus directement. J'ai une très mauvaise habitude pour un flic. Quand je suis sur une enquête, impossible de penser à autre chose. Je suis claquée, j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Quelque chose me chiffonne dans ce meurtre, mais on dirait que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ok. Alors, est-ce qu'on peut parler au personnage? Je vais vite, hein, quand c'est comme ça. Ce que j'aimerais bien, c'est avant qu'on se quitte, vous voyez, au niveau du live, c'est qu'on on finisse quand même ce qu'on appellerait l'épisode, quoi, d'une certaine manière. Salut, Carla. Comment ça va, aujourd'hui? Salut, Doug. Pas trop mal. Tyler est déjà arrivé? Non, pas que je sache. Alors, cette retraite, ça se prépare? On y travaille. Mais cette voix aussi, elle est connue. Alors, est-ce qu'on peut... Comment ça se passe? Parce que faut qu'on monte, faut qu'on... Hop. Ah. Vous voyez, en inspectant, on a des bonus à chaque fois. Je trouve que c'est plutôt pas mal, non? Je me demande la question s'il faudrait pas qu'on passe en bas d'abord, on va voir. C'est la porte qui conduit au sous-sol. D'accord. Je n'ai rien à y faire pour le moment. Alors, pour l'instant, hein, vous savez qu'il y a certains lieux pour l'instant qu'on découvre, hein, il va falloir qu'on prenne nos marques, hein, comme on dit.
Moi, ce jeu, franchement, il est, je trouve très très... À part ce petit souci, il va falloir se réhabituer. Je trouve ça super sympa, ce jeu, hein, vraiment. Ok. Je veux juste un... Ah ! Ok. D'accord, il faut qu'on aille. Miller n'est toujours pas là. Je ferais mieux de lui téléphoner. D'accord, Carla Valenti. J'ai pas l'impression qu'on ait d'interaction, on va regarder quand même. Voilà, on va changer de point de caméra. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Là, c'est en haut. Ouais, c'est ça. Au moins, ça confirme ce que je dis. Alors... Salut Carla, comment ça va ? Un peu gay, toi, non ? Un peu folle. On peut rien faire, c'est dommage. J'aurais pensé qu'on aurait pu interagir avec nos collègues. Bon, objectif... Hey, Carla, tu pourrais dire à ton coéquipier de me rendre les $100 qu'il me doit ? Ça fait plus de 6 mois que je les attends. C'est pas mes oignons, Jeffrey, vois ça avec lui. Mais il arrête pas de m'éviter comme la peste. Et puis tu sais bien qu'il y a que toi qui l'écoute ici. Bonne journée, Jeffrey. Bonne journée, Jeffrey. Bonne journée. Ok, donc lui, c'est déjà une tête à claque. La voix d'un frère de Malcolm, j'avoue. Salut Franck. Salut Carla, bien dormi ? Ça ne sert à rien de dormir, j'aurai tout le temps de dormir quand je serai morte. Sacré Carla. Ouais, normalement il bosse, hein. Salut inspecteur. Ouh, le vodka. Est-ce qu'on peut... Il n'y a personne. D'accord. Donc nous... Je ne rappelle plus où c'est. Il n'y a personne. D'accord. Donc nous, c'était sur... Salut Carla. Oui, oui, c'est bon. Ah, c'était là-bas. C'était là. D'accord. Est-ce qu'on pourrait... Non, est-ce qu'on peut pas... On va juste retoquer une fois, mais j'ai l'impression que... Il n'y a personne. Attention, la blague va arriver. Jeffrey a la voix du mec qui joue le grand frère de Malcolm. Comment ça, t'es déçu, Jeff ? Dis-moi tout. Ok, bureau. Salut, Carla. Salut, Garrett. Oh, attends, Carla. J'ai reçu les résultats des analyses qu'on a demandées pour le meurtre du restaurant. Super. Dès que Tyler arrive au bureau, on passe te voir. Ok, je ne bouge pas de mon bureau ce matin. Ok. Jeffrey, amène-nous des glaçons. Jeffrey. Tyler déteste qu'on fouille dans ses affaires. Mais je trouve que quand même, pour un jeu qui est sorti en 2005, il y a quand même, comment vous expliquer, une grande liberté d'action. Tyler n'a toujours pas dégagé son ballon de basket. Je pensais pourtant avoir été clair. J'adore sa voix. Franchement, excellent. Alors, avant qu'on fasse le téléphone... Moi, voilà, j'ai l'habitude de progresser comme ça. D'abord, j'inspecte la zone, et après, je fais l'action qu'on nous demande, en dernier lieu. Genre, par exemple, là, on va regarder si on a des mails, comme on avait vu, etc. etc. Eh ben, voilà. Eh. Alors les bonus, vous allez comprendre après ce que ce sera, hein, rassurez-vous. Ok, base de données, messagerie. Valium.
Jusqu'à 60% de réduction sur le Valium en commandant en ligne. Recevez plus de 3 centimes de calmant livrés à votre domicile en moins de 24 heures partout dans le monde. Si la vie vous angoisse, ne restez plus en manque. Tapez valiumforless.com. Le ballon Canting Dream, tu as vu? Ouais, c'est ça, Jeff, tu as raison. Oui, il est très bien comme jeu, tout à fait. Alors, coucou. De Tommy. Salut Carla, désolé de ne pas t'avoir donné de nouvelles. J'ai vraiment un boulot de fou en ce moment. Je passe chez toi dès que je peux pour te raconter mes dernières aventures. Je t'embrasse, Tommy. De Inconnu. Ok. Non, je voudrais aller dans le web. Élection municipale de New York, la hausse de la criminalité légène, Donatello. Pour l'équipe du maire sortant Marco Donatello, la hausse de la criminalité devient un sérieux handicap dans la course à l'investiture. Ces deux dernières années, New York a connu une hausse de 15% des crimes et délits. C'est la première fois en 30 ans que la criminalité atteint de tels records. Dans la conférence de presque d'hier, Marco Donatello a rappelé que cette heure était du même ordre dans toutes les grandes villes du pays et était due à l'accroissement des inégalités sociales. Le maire a cependant promis que les résultats de sa politique sécuritaire se feraient sentir avant la fin de son mandat. Faut acheter, c'est la promo. Va sur le site du mec. Prends des calmants. Mon dieu. Alors, ce que je voulais voir, c'était météo. Nouvelle chute de neige. Une mâche d'air froid en provenance du Canada va provoquer une nouvelle chute de température sur l'ensemble du pays. De nouvelles chutes de neige particulièrement abondantes sont prévues sur l'est et le centre dans les prochaines 48 heures. Elles attendront plus de 20 cm sur la côte est. La masse d'air froid s'étendra progressivement vers le centre et l'ouest du pays et sera accompagnée de vents violents et de grêle par endroits. Le verglas pourrait faire son apparition dans la nuit, la plus grande prudence est recommandée aux automobilistes. Monde, Pakistan, d'accord. Bon blablabla, c'est la guerre. Hein. Je vous laisse lire pour plus de détails, hein. D'accord. Voilà, ce que je voulais aller, c'était dans base de données. Pas d'entrée, d'accord. Ok, ce que je vous propose, eh bien, on va passer un coup de fil. Donatello, la tortue. Ouais? Est-ce que tu as vu l'heure? Oh, merde! Bouge-toi un peu. La serveuse du restaurant doit passer pour le portrait robot ce matin. J'arrive tout de suite. Ok. Ouais, la voix du déprimé. Mais écoutez, on va se lever, hein. On peut aller sur MSN sur le jeu ou pas? Merci Snow, merci de ton passage et je te souhaite une bonne après-midi. Bah écoutez, je pense qu'on a tout fait. On va passer donc à Mister. Appartement de Tyler, le 2701, 9h04. Reste encore un peu. Désolé, chérie, mais faut vraiment que j'y aille. Je vais faire du café. Ok. Je me douche, je m'habille et je file en vitesse. Ok. Ça change, hein, je trouve, hein, par rapport à... Pas mal, pas mal du tout. Ok, il est 15h49, par contre, faudrait peut-être qu'on voit dans... Vous me dites l'heure, s'il vous plaît, à 15h55, les amis. Hop là, on va repartir sur Fahrenheit. Hop. Faudrait qu'on finisse cette séquence. C'est une statuette de Sox, un personnage d'un de mes jeux vidéo préférés. Il fait grand jour dehors. Je crois que je suis pas en avance.
Ok, donc la douche. Ok. De la musique, on s'en fiche. On va un petit peu se dépêcher. Ouais, là c'est pour sortir. Et la salle de bain qui est de l'autre côté. Merci de ton passage, Raven. Et je te dis à bientôt pour la suite. À savoir, normalement dimanche, c'est ça, de 14h à 16h. Ah, c'est cool, j'aime bien. Ça, c'est dommage que pendant ces passages-là, on n'ait pas un petit peu les pensées de nos personnages. Ok, bon, direction salle de bain. Dis, tu sais que t'es plutôt beau gosse, toi? Allez. Ok, on va s'habiller. D'accord, donc ça on l'a. Parfait. Toilette. Touch my tralala. Ok. Hop. Bah écoutez, go ici. S'habiller. Tout de suite la musique sous la douche. Ah. Ouais, il se la pète un peu quand même, hein. Faut quand même dire ce qu'il y est. Ok, on va lui parler. Oh oh, Sam a l'air de faire la gueule. Et je sais ce qu'il a travaillé. Ok, on peut s'asseoir. Est-ce qu'on pourrait pas juste mettre un peu de musique? On va regarder. Retourne te coucher, Sam. Tu vas attraper froid comme ça. J'ai pas froid. Oh, écoute, Sam, arrête avec ça. J'ai aucune intention de mourir aujourd'hui. J'en ai marre de vivre dans la peur, Tyler. Chaque matin, je suis terrifiée à l'idée qu'il t'arrive quelque chose. Ironique. On en a déjà parlé 100 000 fois, Sam. Je vais pas renoncer à mon métier parce que ma femme a des états d'âme. Il y a des centaines de cinglés qui se promènent en liberté dans cette ville. Il faut bien qu'il y ait des gens qui soient prêts à risquer leur vie pour les mettre en cabane. Je me fous de cette ville, Tyler. Tout ce qui compte pour moi, c'est nous. On pourrait s'en aller d'ici et repartir à zéro. On pourrait aller en Floride reprendre le magasin de mes parents. Conciliant. Je suis pas encore prêt pour avoir une vie normale, Sam. Pour le moment, ma place est ici. Et tu dois essayer de m'accepter comme je suis, avec les choix que je fais. D'accord. Alors, mets ton manteau. Et on va sortir. Voilà. Je t'aime, Tyler. Ok. Allez, on y va. Et eh ben, je pense que c'est parfait pour se laisser. Voilà, on a eu un temps de chargement, c'est parfait. Donc de mon côté, hop,
Je vais mettre comme ça. Je vais faire, bah écoutez, limite, quitter. Oui. Eh bien, j'espère que le stream vous aura plu, les amis. Parce que pour moi, c'était vraiment, 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 vraiment excellent. C'était super, super. J'ai aimé, franchement, vous partager ce jeu. On fera la suite, eh bien, tout simplement... Bah, c'est donc dimanche, de 14h à 16h. C'était super cool. N'hésitez pas à rester pour mes amis streamers pour le reste de l'après-midi, bien sûr. On se retrouve, nous, pour le LDJ Vague Actu, en compagnie de Adran, de Banano et de Psycho et Gloomy à partir de 20h jusqu'à 21h, les amis. Moi, je vous fais des bisous. Merci infiniment, franchement, d'avoir été là pour le stream. Merci pour vos dons, merci pour les personnes qui ont regardé la rediffusion. Et franchement, ouais, ce jeu annonce vraiment du lourd. On prend notre temps, on prend vraiment notre temps. Mais franchement, comprenez-moi que pour avoir tous les points bonus, tout ça, je pense que honnêtement, ça peut être sympa. N'hésitez pas à checker ma dernière vidéo, honnêtement, sur, comment dire... Rise of the Tomb Raider, qui est l'épisode déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous ferai le DLC tout de suite après, dès ce week-end. Et voilà, moi je vous dis restez pour Loupio qui stream juste après moi. Je vous fais des bisous et je vous dis donc à ce soir ou à dimanche. N'hésitez pas surtout aussi à venir sur Outlast vendredi pour la fin du jeu de 22h à minuit. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis bye bye.